Oi, 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 les Marseillais, je vais commencer à compatir pour vous. Comment résumer l'animation offensive marseillaise hier? Vous m'entendez? Regardez bien. R-I-E-N. Rien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, l'équipe des Marseillais. J'imagine que non, mais on va vite remonter le moral avec le fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. D'ailleurs, vous m'expliquerez où il en est pour vous, puisqu'aujourd'hui, pas de nouvelles du tout. Mon Dieu, qui vous faut un vrai buteur. Alors, vous le savez maintenant, hein, la série Mercato est l'une des séries les plus anciennes de la chaîne YouTube, des plus suivies, des plus regardées. Celle en général que vous appréciez énormément. Donc, n'oubliez pas hein, que chaque semaine, il y a une voire deux vidéos sur le Mercato. Pas spécialement deux jours, mais dès qu'il y a plusieurs transferts qui commencent à se faire, je fonce. Alors, l'équipe, je vous demande simplement d'être présent sur la chaîne YouTube dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Même pour être averti qu'une vidéo transfert est sortie, et oui, parce que YouTube en termes de notifications, d'abonnement, ah, c'est plus ce que c'était. D'ailleurs, je te conseille de mettre la petite cloche, très très important. Enfin presque. Et pour m'envoyer de la force, tiens l'équipe, je compte sur vous pour être présent au niveau des pouces bleus. On va se fixer l'objectif des 4000 likes. Tu sais quoi? Des 4000 likes. Épisode transfert direct en préparation. Je compte sur vous. Et juste avant de commencer, oui, évidemment, comme toujours, l'application OneFootball sponsorise cette vidéo. Cette fameuse application qui te permet de suivre toute l'actualité du football en général. Passant du mercato au piraté de Germain contre Andrézieux. Regarde! Talonnade! Talonnade! Enculé! Bref, va check ça dans la description. Et c'est parti! Et on va commencer la vidéo Mercato du jour, l'équipe en France du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'une grosse rumeur a encore fait surface dans la presse. Selon le média italien Tutto Sport, la Juventus Turin, qui a fait l'objet de nombreuses approches pour son attaquant argentin, Paolo Dybala, devrait réclamer au moins 100 millions d'euros pour un éventuel transfert. Selon ce même média, trois grands clubs européens se seraient positionnés pour recruter le numéro 10 de la vieille dame, le Bayern, Manchester City, et bien sûr le Paris Saint-Germain, qui serait le mieux placé dans ce dossier malgré le fait que pour débourser 100 millions d'euros, il va falloir attendre l'été prochain. Une information bien sûr à prendre avec des pincettes puisque le joueur argentin est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juve et sa valeur marchande selon CIES se rapprochait des 170 millions d'euros, ce qui permettrait au dirigeant Bianconeri de faire monter ses enchères. Affaire à suivre donc. Dans le sens des arrivées justement, désormais l'équipe, la Juventus est très proche de boucler l'arrivée d'un joueur puisque le milieu de terrain gallois d'Arsenal, Aaron Ramsey, libre de tout contrat en juin prochain, se serait mis d'accord selon Sky Sport avec le club italien et aurait même passé sa visite médicale ce week-end. Très utile. Utilisé par Unai Emery depuis le début de la saison, il a joué un total de 25 matchs avec le club londonien. Il devrait quand même signer un contrat de 5 ans en Italie avec un salaire annuel de 8 millions d'euros à la clé. Transfert justement qui d'après le média Sky Sport devrait se boucler mercredi. Mais son arrivée quant à elle se ferait que l'été prochain. L'autre grand nom qui a fait ou a refait surface dans la presse italienne cette semaine est celui de Marcello. L'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est en pleine période de doute. Tout comme son club en général de par les mauvais résultats de la première partie de saison. Pour rappel, le Real Madrid est actuellement 5e du championnat de Liga et cette situation pourrait pousser certains joueurs vers la sortie. Pour ceux qui se souviennent, il y a un peu plus d'un mois, une étrange nouvelle avait été révélée par Tutto Sport. Cristiano Ronaldo avait appelé le joueur du Real Madrid pour qu'il vienne signer à la Juventus. Et bien la nouvelle du jour est que selon El Confidencial, Cristiano continuerait de faire pression, notamment sur les dirigeants italiens pour le faire signer le plus vite possible, en profitant notamment de la situation qui laisse à désirer du Real Madrid. Malgré tout, de son côté, la Juventus n'envisagerait pas de donner son feu vert, consciente qu'il faudrait trouver un accord avec le club madrilène et donc placer une offre à la hauteur de sa clause libératoire. Faut pas oublier que le contrat du Brésilien s'achève en 2022. Alors un transfert auquel on a envie d'y croire, mais qui semble difficile, les amis, vous me donnez votre avis en commentaire sur celui-ci. En Angleterre, désormais Chelsea n'a pas encore ouvert le bal dans ce mercato, mais compte faire les choses bien. Il y a quelques jours, on apprenait l'intérêt du club anglais pour Edinson Cavani, un transfert qui semble proche de l'infaisable, mais la rumeur de la semaine est que l'attaquant argentin de l'AC Milan, Gonzalo Higuain, intéresserait fortement Maurizio Sarri, qui souhaiterait le retrouver puisque pour le rappel, il s'était déjà côtoyé du côté de Naples lors de la saison 2015-2016. Et cette nouvelle pourrait bientôt devenir officielle puisque selon l'Evening Standard, l'agent du buteur argentin, Nicolas Higuain, serait arrivé à Londres pour rencontrer les dirigeants des Blues. On parle d'un transfert à hauteur de 50 millions d'euros, offre qui rentre tout à fait dans les clous du club anglais puisque pour le rappel, les Blues sont à la quête d'un numéro 9, souffrant actuellement d'un cruel manque d'efficacité d'Olivier Giroud ou encore d'Alvaro Morata. Après Naples, la Juve, l'AC Milan, Chelsea pour l'international argentin, donnez-moi votre avis dans les commentaires l'équipe. Et enfin, pour conclure les amis, on se dirige en Espagne du côté du Barça. L'été dernier, les dirigeants Blaugrana avaient montré leur intérêt pour l'attaquant brésilien de Chelsea, Willian. Ce joueur est toujours d'actualité dans les petits papiers d'Ernesto Valverde et ses compères, puisque selon la presse britannique, et catalane d'ailleurs, un échange entre Willian et Malcolm, qui a beaucoup déçu depuis son arrivée, était tout proche de se réaliser, mais a malheureusement été refusé par le club anglais. Maurizio Sarri, en conférence de presse, a même déclaré à ce sujet, je cite, « Vous devriez appeler le club et leur poser des questions à propos du mercato, je ne connais pas la réponse, bien
évidemment j'aimerais ne pas le perdre. C'est un joueur très important, je pense qu'il peut mieux faire parce que son potentiel est un cran plus haut. Il est très important pour nous, alors il est impossible de le perdre en janvier. Une histoire visiblement repoussée à l'été prochain, mais il y a bel et bien eu des discussions entre les deux parties. Pour ajouter une information à ce sujet, Malcolm, qui a rejoint le Barça l'été dernier, aurait même reçu une offre de 50 millions d'euros de la part du club chinois Guangzhou Evergrande. Il se passe donc pas mal de choses du côté du FC Barcelone. Côté officialisation désormais, l'équipe en revient en France du côté de l'AS Monaco qui continue d'impressionner en ce mercato, puisqu'après l'arrivée de Naldo ou encore de Foster, Fodeballo Touré, qui a réalisé une bonne première partie de saison du côté du LOSC, s'est engagé officiellement jusqu'en 2023 avec le club de la Principauté. Le montant de son transfert s'élèverait à 11 millions d'euros. Mais c'est pas tout, puisque c'est ce que Fabregas, nom qui circulait pas mal dans la presse ces derniers jours, a lui aussi rejoint officiellement l'AS Monaco pour aider son ancien coéquipier en club Thierry Henry dans l'opération maintien. William Vainqueur, que l'on annonçait du côté de l'AS Monaco ces derniers jours et qui avait été recalé au cours de sa visite médicale, rejoindra finalement le club de la Principauté, qui a revu ses exigences à la baisse en acceptant les motivations du joueur. Un transfert donc sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. On continue désormais en Allemagne avec le Bayern Munich, les amis, puisqu'au moment où je vous tournais la dernière vidéo mercato, le transfert du champion du monde français Benjamin Pavard s'apprêtait à se boucler et c'est désormais officiel. Benjamin Pavard quittera Stuttgart pour le Bayern Munich l'été prochain. Il a signé un bail de 5 ans et le montant de son transfert est estimé à 35 millions d'euros. En Espagne, le Barça, qui a raté le transfert de Willian la semaine dernière, a annoncé avoir recruté Jean-Claire Todibo, le défenseur français de 19 ans. Arrivé en fin de contrat avec le TFC, portera les couleurs rouge et bleu pour la saison 2019-2020. Pisté par l'Olympique de Marseille ces derniers jours, Mounir El Abadi ne rejoindra finalement pas le club phocéen, puisque le joueur barcelonais a trouvé un accord avec le FC Séville et s'est engagé pour une durée de 4 saisons. Le montant du transfert de l'attaquant international espagnol s'élève à 1 million d'euros. La mauvaise nouvelle pour les Lyonnais ces derniers jours, bon déjà c'est les deux défaites successives contre Strasbourg et Reims, mais aussi de la perle mexicaine Diego Lainez, qui ne rejoindra finalement pas l'Olympique Lyonnais puisqu'il a signé officiellement jusqu'en 2024 avec le Betis Séville. Le montant de son transfert s'élèverait à 17 millions d'euros. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu, très très important pour faire avancer la série. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses, c'est le plus important dans les vidéos mercato. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et officialisations. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo mercato. C'était Lexici, ciao ciao.